penser au terme académie parce que c'était véritablement une école. On espérait que des jeunes gens viennent ici pour s'entraîner et apprendre à fond l'art de la boxe. La boxe, c'est tout le contraire de Rocky. La boxe est beaucoup plus scientifique, beaucoup plus beau et beaucoup plus difficile que ce qui est retransmis dans ce film. À respecter son adversaire, respecter son entraîneur, respecter son coach et les soigneurs. Le côté ludique est très important aussi, il faut s'amuser, parce que la boxe n'est pas facile évidemment. C'est beaucoup de discipline, de répéter les mêmes mouvements. Je demeure persuadé que la boxe éducative est très très formatrice chez un enfant de 12 à 16 ans parce qu'on axe plus le travail de la boxe sur l'esquive que sur le coup. L'art de toucher un adversaire et de ne pas se faire toucher. C'est le mouvement, c'est l'harmonie. Très belle jeunesse, très variée, de tous les horizons, sociaux, ethniques, religieux, qu'importe. Pour moi, la boxe est quelque chose qui peut amener à une promotion sociale, à aider les gens à se connaître soi-même, avoir de l'assurance et à foncer dans la vie. Il ne faut pas qu'on leur organise des combats où ils vont à la boucherie. Il faut organiser des combats très équilibrés où les garçons peuvent se mesurer à la fois face à l'adversaire et face à eux-mêmes. I'm Mike Chippos, man. I got this, yeah.